الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on va vous parler d'un grand fléau qui est le mauvais œil. Le mauvais œil. Rentrons directement dans le vif du sujet en voyant ce hadith qui nous est rapporté par l'imam Ibn Majah. Abu Umama Sahl ibn Hunayf rapporte Amr ibn Rabi'a vit Sahl ibn Hunayf se laver. Et il dit, donc il s'agit de deux compagnons. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Ces deux compagnons et pas deux ennemis. Amr ibn Rabi'a vit Sahl ibn Hunayf se laver. Donc Sahl, il est en train de se laver. Il a dit par Allah, je n'ai jamais vu un jour ni une peau de jeune fille pareille, tellement quoi? Tellement la peau du compagnon était quoi? Était très belle. Vous suivez? Donc ici, Amr dit en voyant Sahl ibn Hunayf qui se lave à l'abri des gens. Il a vu une partie de sa peau, il a dit qu'il n'a jamais vu un jour une peau de jeune fille pareille. Sahl s'effondra sur le champ. Allahu Akbar. Vous imaginez? Le compagnon radiallahu anhu, il s'est évanoui. Sahl s'effondra et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint trouver Amr. Et lui dit sur le ton de la colère, pourquoi l'un de vous tue-t-il son frère? Regardez ce qu'il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi l'un de vous tue-t-il son frère? Et on va voir par la suite que le mauvais œil peut tuer quelqu'un. Comme c'est rapporté dans un hadith. Pourquoi n'as-tu pas demandé la bénédiction d'Allah? C'est-à-dire que quand tu as été émerveillé de sa peau, tu dis Allahumma barik. Pourquoi n'as-tu pas demandé la bénédiction d'Allah? Lave-toi pour lui. Amr lava alors son visage, ses mains, ses coudes, ses genoux, les extrémités de ses jambes et l'intérieur de son pagne dans un récipient. Puis on versa l'eau sur Sahl qui repartit avec les gens. Et le hadith, on a dit, il est rapporté par l'imam Ibn Majah. Dans ce hadith, il y a une chose qui apparaît, qui est claire. C'est que la plupart des mauvais œil touchent les gens qui montrent. Alors là, on parle déjà de quelqu'un qui fait ça volontairement. Ou qui laisse apparaître une partie de leur beauté ou de leur beau physique. Et regardez, subhanallah. Là ici, c'est un compagnon qui n'a aucune haine ni animosité vers son frère qui est compagnon également. Et le simple fait qu'il l'a vu sans faire dua de bénédiction pour lui, sans dire Allahumma barik lahu ou alayhi ou fihi, ok? Et bien ça, ça a été un mauvais œil. Donc on comprend ici déjà tout de suite une chose. C'est qu'il y a un farq, une grande différence entre al-hasad, l'envie, et al-ayn, le mauvais œil. L'envie déjà, elle est de, comme vous le savez, deux catégories. Il y a l'envie blâmable, d'accord? C'est le fait de souhaiter la disparition du bien de ton frère. Il a une voiture qu'il vient d'acheter, un gros 4x4. Et tu es tellement plein de haine que tu lui souhaites la disparition de ce bien. Ça, c'est haram en islam. Souhaiter la disparition du bien de ton frère, c'est haram. Le prophète Assam, il a dit, méfiez-vous, gare à l'envie, car l'envie brûle les bonnes actions, tout comme le feu brûle le bois. Donc ça, c'est déjà quelque chose de haram. Par contre, il y a une envie qui est louable, qu'on appelle al-ribta. C'est le fait d'envier quelqu'un qui a de la science, t'aimerais avoir de la science comme lui, il enseigne aux gens, ok? Ou quelqu'un qui a de l'argent et qui donne dans les nobles causes. Ces deux-là, tu as le droit de les envier sans pour autant souhaiter la disparition de leur bien. Donc ça, c'est le hasad, d'accord? Le ayn, et là, vous allez peut-être être surpris, peut venir écouter attentivement de quelqu'un qui t'aime beaucoup. Il suffit qu'il ne dise pas « Allahumma barik » et qu'il te regarde avec un regard bien appuyé, c'est un ayn. C'est un mauvais œil. Toi-même, tu peux atteindre ton enfant d'un ayn. Ta propre personne, en te regardant dans le miroir, tu peux te toucher toi-même d'un ayn, d'un mauvais œil. Parce que tu n'as pas prononcé quoi? Les invocations, les bénédictions d'Allah. Vous suivez? Donc al-hasad, il vient, on parle ici du hasad blâmable, l'envie blâmable, il vient de quelqu'un qui t'aime pas. Mais l'ayn, il peut venir de quelqu'un qui t'aime, voire de ta propre personne. D'où le fait qu'il faut faire très attention au mauvais œil. De toujours être constamment dans quoi? Dans le dhikr, l'évocation d'Allah tabaraka ta'ala.
Et moi, je m'étonne, et je vous le dis clairement, de ces gens qui, toute la journée, affichent leur vie, leur confort, leur luxe, leur beau physique sur les réseaux sociaux. Je m'étonne de ces gens-là. Et je leur adresse un message. Vous avez sûrement des épreuves et des secousses lourdes. Vous ne vous dites pas, des fois, ça peut être le mauvais œil? Tu t'exposes à ça. Quand on les voit dans leur story, dans les réseaux sociaux, en train de se prendre en photo avec une grosse voiture de luxe. Ok? Te faisant croire que sa vie entière, c'est canon, c'est trop bien. Alors que c'est juste le moment de la photo, c'est bien. Et après, c'est les ténèbres dans sa vie, quand il n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, il l'a dit. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عَيْشَةً ضَنْكَ. Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Ils vendent du faux, du mensonge aux gens. Ou bien l'autre, il est là en train de filmer toutes ses voitures. Voilà, j'ai celle-là, puis j'ai aussi celle-là, puis aujourd'hui on va prendre laquelle, on va conduire laquelle. T'es en train d'être une source de trouble, de fitna dans le cœur des musulmans. Leur cœur brûle à cause de toi. Mais ce que tu réalises pas, c'est que les malheurs qui te viennent derrière, c'est toutes ces flèches de haine qui t'ont touché parce que t'as été stupide et bête à étaler ta richesse et les bienfaits de cette manière-là. Alors est-ce qu'on doit cacher notre voiture si on a une voiture confortable? Déjà, le musulman, il n'est jamais dans un excès et il n'est pas dans l'orgueil. Ces deux-là, il les combat. Tu as le droit d'avoir une voiture qui est confortable, qui est bien, qui roule bien, qui est récente, il n'y a aucun problème. Mais il y a une différence entre avoir ce véhicule pour toi, pour ta famille, etc. et pour montrer toute la journée aux gens que tu vis au top. Mais le haïn, ça tue. Vous ne comprenez pas que le mauvais œil tue. Vous allez voir des textes, vous allez être choqués. Réveillez-vous. Comprenez qu'une parmi les grandes causes, voire c'est peut-être la principale cause des problèmes que vous avez, c'est que vous étalez trop votre vie. Quand je dis votre vie, c'est la richesse, le confort, le matériel, les repas, les voyages. Regarde jet privé, regarde ceci, regarde cela, regarde mes vêtements. Ah bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va prendre comme voiture. Bah tiens, vous me conseillez quoi, la Lamborghini ou la Ferrari? Après, s'étonne que derrière, c'est des catastrophes sur ses enfants, sur sa santé, sur sa femme, sur ses parents. Il ne comprend pas. Mais regarde les choses avec les yeux de la religion, tu comprendras mieux. Non. Et tout ça pourquoi? Pour exister. Parce que ces gens-là, dans leur code, ils ont compris que avoir de la valeur, être bien dans sa peau, c'est exister sur les réseaux sociaux. Avoir une vie virtuelle. Mais Sakin, Wallahi l'azim, je le jure par là, ils me font tous de la peine. Et je dis pas ça en mode de je leur veux du mal. Wallah, pas du tout. Pas du tout. Je leur souhaite que du bien. J'aimerais qu'ils ouvrent les yeux. Qu'ils arrêtent ce monde d'illusion, ce monde faux. Ce monde où ils vendent du rêve aux gens et la vraie vie, c'est pas celle qu'ils montrent sur Internet. Alors lui, il est là, il est en train de toute la journée dans la salle de sport, il montre ses muscles. Elle, elle est en train de montrer sa beauté toute la journée dans les réseaux sociaux. Et ils comprennent pas pourquoi il y a autant de malheurs qui les touchent. Il y a quelque chose qui s'appelle le mauvais œil. Ça existe en islam, par le Coran, par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est confirmé. Mes chers frères et sœurs, gardez en tête qu'Allah tabaraka ta'ala dit « Ma asaba min musiba fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allah yasir. » Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne sont enregistrées dans un livre avant que nous l'ayons créé et cela est certes facile à Allah. Et également le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, il a dit « Sache que si tous les gens s'unissaient pour te procurer un bienfait, il ne te ferait profiter que du bienfait qu'Allah a décrété pour toi. Et que si tous les gens s'unissaient pour te nuire, il ne te ferait que le mal qu'Allah a décrété pour toi. La plume est levée et les pages ont séché. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par l'imam muslim sur Ibn Abbas, a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît, le mauvais œil est une vérité. Et si une chose pouvait devancer la prédestination, ce serait le mauvais œil. Et le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde contre le mauvais œil. D'après Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, le prophète a dit le ayn, le mauvais œil, fait rentrer l'homme dans la tombe. Alors qu'est-ce que tu en penses? Ça tue. Nous, ce qu'on doit faire, on va voir après, Inch'Allah. C'est pas de vivre en étant caché, hein, puisqu'il y a toujours des extrêmes. Il y a celui qui étale toute sa vie, sa richesse, le confort, les bienfaits qu'Allah lui a donnés. Et il y a celui qui cache tout à tout le monde, jusqu'à il devient parano.
Non, il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. C'est quoi? C'est Allah tabarak wa ta'ala, il t'a donné de l'argent. Tu es dans un confort matériel. Ok, tu as une belle voiture. Machallah, tu fais du khir, tu es bien habillé, etc. N'expose pas ça. Ok? Fais tes afkar, lis tes invocations du matin et du soir, les invocations qui ont été enseignées par notre belle-mère, alayhi salatu wassalam. Ne raconte pas tout ce que tu as comme bienfait à quelqu'un, tu sais, qui va toucher par un rein, et vis ta vie normale. Vis ta vie normale. Ok? Donc comprenez bien, Allah ybarik fikoum, qu'il y a un juste milieu à adopter dans toute chose. Le Aïn fait rentrer l'homme dans la tombe et le chameau dans le récipient rapporté par Abu Nu'aym. Allahu Akbar. Parmi les plus grandes causes qui nous permettent de nous protéger du mauvais œil, il y a l'évocation d'Allah, le dhikr d'Allah. Dans le hadith de l'Harith al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète alayhi salatu wasalam, dans le hadith là où il nous raconte les cinq paroles qui ont été prescrites à Yahya, dans ce hadith il y a la cinquième et qu'il vous a ordonné de l'évoquer sans cesse, le dhikr. L'exemple de cela est celui d'un homme qui est poursuivi par des ennemis et qui se réfugie dans une forteresse. Or, jamais l'homme n'est à l'abri du diable que lorsqu'il est en train d'évoquer Allah, qu'il soit glorifié, rapporté par l'imam Ahmad. Donc le dhikr, ça te protège. Ok? Les invocations du matin et du soir. Le matin et le soir, subhanallah, vous avez tous aujourd'hui un smartphone. La plupart, vous en avez un. Ok? Et ceux qui n'en ont pas, vous avez la citadelle du musulman. Dans le smartphone, tu as l'application la citadelle du musulman. Tu vois les invocations, tu en as une vingtaine à dire le matin et le soir. Et plus tu en dis, supposons que tu n'as pas le temps de dire toutes les invocations, plus tu en dis, plus ton armure contre le mal, elle est solide. Celui qui en dit 5, il est meilleur que celui qui en dit qu'une. Celui qui en dit 10, il est meilleur que celui qui en dit 5. Donc fais ce que tu peux le matin et le soir pour lire les invocations. Et ça, ça doit faire partie de notre train de vie quotidien. On ne doit jamais abandonner Afkar al-Sabah al-Masa. Et on a une négligence folle, nous, la communauté musulmane, concernant ces invocations. On sait que ça protège des mots, M-A-U-X, n'est-ce pas? On sait que ça protège des mots, mais est-ce qu'on les dit? Combien de fois tu as entendu Afkar al-Sabah al-Masa? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné de dire le matin et le soir, Bismillah alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ça, tu le dis trois fois, il n'y a rien qui va te nuire. Rien ne te nuit si tu dis ça trois fois le matin, trois fois le soir. Au nom d'Allah, tel qu'en compagnie de son nom, rien sur terre ni au ciel ne peut nuire. Lui, l'audient, l'omniscient. Également, le fait de faire des invocations tout le temps. Quand tu sors de chez toi, par exemple, qu'est-ce qui nous a été enseigné? De dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. N'est-ce pas? Anas ibn Malik radiallahu anhu relate que le prophète sallam a dit: quand quelqu'un en sortant de chez lui dit Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, écoutez bien. Donc ce qui signifie au nom d'Allah je m'en remets à Allah et il n'est de mouvement et de force que par Allah, on lui dit tu es guidé, comblé et protégé. Et le diable s'écarte de lui. Abu Dawud rahimahullah ajoute, il dit, c'est-à-dire le diable, à un autre diable, que peux-tu faire contre un homme guidé, comblé et protégé? Et c'est rapporté par Abu Dawud. Tu sors de chez toi, tu fais cette invocation. T'es protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde la connaît normalement. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mais qui s'en souvient? Également, les enfants. Les enfants, eux, c'est la cible la plus touchée par le mauvais œil. C'est pour ça qu'on doit faire, nous, les invocations de protection à nos enfants. Comme m'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, avec Al-Hassan et Al-Hussein. Le prophète lui-même recherchait la protection d'Allah sur Al-Hassan et Al-Hussein en disant, donc en arabe ça donne, U'idhukuma bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Je cherche protection pour vous auprès des paroles parfaites d'Allah contre tout démon, contre toute chose nuisible et contre tout mauvais œil. Et il disait, ainsi faisait Ibrahim alayhi salam pour Ishaq et Ismaïl. Et le hadith il est rapporté par le Bukhari. Donc les enfants, n'oubliez pas de leur faire les invocations pour qu'ils soient protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith de Asma bint Umays, elle a dit, ô messager d'Allah, Banu Ja'far, donc les enfants de Ja'far sont atteints du mauvais œil, dois-je pratiquer al-ruqya sur eux? Il dit oui, si une chose pouvait devancer la prédestination, ce serait le mauvais œil rapporté par Tirmidhi. Et Umm Salama rapporte que le prophète sallam vit chez elle une servante qui avait une noirceur dans le visage. Et il dit, pratiquez-lui al-ruqya, car elle a une couleur anormale. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Et parmi les précautions
à adopter, il y a le fait de ne pas exposer, je le répète encore une fois, le confort dans lequel tu vis, ta richesse, le luxe dans lequel tu trouves, les bienfaits que tu possèdes. Ne sois pas de cela. Prenons exemple sur le prophète Yaqub alayhi salam, quand il a fait entrer ses enfants pour aller voir Youssef alayhi salam. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. Et il dit : Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui, je place ma confiance, et que ceux qui placent en lui leur confiance la placent en lui. Et que ceux qui placent en lui leur confiance la placent en lui. L'imam al-Baghawi rahimahullah, il dit que le prophète Yaqub alayhi salam, il a fait rentrer ses 11 fils par des portes séparées. Pourquoi ? Parce que l'effet du nombre allait attirer le mauvais œil. Il s'agit de 11 enfants qui sont beaux. Ils sont grands, ils viennent tous d'un père, vous imaginez, 11 frères. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, n'est-ce pas? Donc ça attire l'œil. Il leur dit, n'attirez pas l'œil, rentrez par des portes séparées. Parce que si vous rentrez tous en même temps, vous allez attirer le mauvais œil. Donc comprenez bien, Allah ybarik fikum, qu'il faut ici être intelligent. Ne vous exposez pas au mauvais œil. Et ne rentrez pas dans la paranoïa, l'autre X qui est de voir le mauvais œil partout. Ah bah ça, je pense c'est un mauvais œil. Ah ça, je pense c'est un mauvais œil. Regarde, c'est très simple. Pour t'écarter de ces wasawis, renforce ta foi. Omar ibn Khattab, vous le connaissez tous ce compagnon, n'est-ce pas? Omar, on sait, on connaît le hadith par cœur. Quand il prenait un chemin, le diable, il en prenait un autre. Pourquoi? Sa foi, elle était trop forte. Renforce ta foi. Renforce ta foi, apprends la religion. Pratique-la bien, invoque Allah. N'oublie pas de dire, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatika wa Allah. Aïni, aide-moi à quoi? À t'évoquer, à te remercier et à bien t'adorer. Demande-lui qui te donne la force de bien l'adorer. Donc, ne soyez pas de cela, Allah ybarik fikum. Et quand vous voyez quelque chose qui vous plaît chez quelqu'un, ou sur vos enfants, ok, ou bien sur ta propre personne, dites Allahumma barik. Dites Allahumma barik. D'accord? Ouais, mais moi je dis Masha'Allah. Masha'Allah, ce n'est pas une invocation. Masha'Allah, c'est-à-dire telle est la volonté d'Allah. Ok, c'est une information, c'est pas une dua. Si tu dis Masha'Allah, Tabarakallah, c'est très bien. Si tu dis Masha'Allah, la quota illa billah, ça a été relaté dans le Coran et des pieux prédécesseurs ont utilisé cette formule. Mais tu dis Masha'Allah seulement, et on le voit aujourd'hui, c'est vrai ou pas? On le voit aujourd'hui, des gens ils disent, ah mais, t'es sérieux ou quoi, t'as pas dit Masha'Allah? Dis Masha'Allah, tu vas l'ayen. Masha'Allah ne suffit pas, ce n'est pas une invocation. Vous avez compris? Dites Tabarak Allah, Allahumma barik lahu, Masha'Allah, Allahumma barik. Ok? Ou bien Masha'Allah, la quwwata illa billah. D'ailleurs, cela est relaté dans le Coran. Walawla idh dakhalta jannataka qulta Masha'Allah, la quwwata illa billah. Telle est la volonté et la grâce d'Allah. Il n'y a de puissance que par Allah. Hisham ibn Urwa rapporte d'après son père que lorsqu'il voyait une chose qui lui plaisait, ou lorsqu'il entrait dans un de ses jardins, il disait Masha'Allah, la quwwata illa billah. Ce qu'Allah a voulu, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Donc rappelez-vous de toujours faire du'a bil baraka, hein, avec la bénédiction d'Allah. Le prophète sallam dans le hadith rapporté par le Hakim, il dit, celui qui trouve en lui-même, vous entendez, en lui-même, ou en son bien, ou en son enfant ce qui lui plaît, qu'il fasse des invocations de bénédiction, car le mauvais œil est une réalité. Tu vois, tu peux te toucher toi-même avec le mauvais œil. Tu te regardes dans le miroir comme ça, ah ouais, là j'ai perdu du poids, ça commence à se tracer là. Rien à dire. Hein. En état, on va mettre des beaux t-shirts. Hein. On va leur montrer hein. Les pecs, les muscles. Il ne sait rien lui-même. Il se jette le mauvais œil lui-même. Mais réfléchis. Et après, il se pose des questions. Mais pourquoi ces malheurs? Pourquoi ces maladies? Pourquoi ça cloche au boulot? C'est électrique dans la famille. Ça va pas avec madame. Mes enfants, ils me font péter un plomb. T'as tendu la perche. Et attention, je le répète, je ne suis pas en train de dire que tous les maux, toutes les maladies viennent du mauvais œil. Mais là, en particulier, vous avez bien compris de quoi on parle. Ces gens qui s'exposent H24. Et ne soyez pas, s'il vous plaît, Allah ybarik fikoum, stupides. En croyant
que ce qu'on nous montre dans les réseaux sociaux, c'est la réalité. Arrêtez. Ok ? Je parle de la vie de qui là ? Des influenceurs, des rappeurs, de tout ce monde-là. Là. Ce qu'ils montrent, c'est une partie qu'ils veulent montrer. Ok ? Et quand ils sont loin d'Allah, ce qu'ils cachent, c'est ténébreux. Ahibati fillah, la personne qui a été touchée par le Aïn, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alhamdulillah, on a des solutions à tout. La personne qui a été touchée par l'Aïn, elle-même, ce qui est demandé, c'est que dans le hadith de Aïcha, elle rapporte, radiyallahu ta'ala anha, on ordonnait à celui qui était à l'origine du mauvais œil de faire ses ablutions. Celui qui est à l'origine du mauvais œil, c'est-à-dire quelqu'un qui a lâché un mauvais œil sur quelqu'un, lui fait ses ablutions. On a les ablutions, on a aussi le fait de se laver dans d'autres textes. On ordonnait à celui qui est à l'origine du mauvais œil de faire ses ablutions et à celui qui était atteint du mauvais œil de s'en laver, de se laver avec le restant de l'eau de celui qui a lâché le mauvais œil. Ok ? Aïcha radiallahu anha rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ou a ordonné de pratiquer al-ruqya contre le mauvais œil, rapporté par le Bukhari et Muslim. Également, réciter la Fatiha 7 fois sur la personne qui est malade. Ayatul Kursi, pour justement aider la personne touchée par le mauvais œil de se soigner. Également, Surat al-Ikhlas, Al-Falaq et Al-Nas, Al-Ma'awudhatayn, 3 fois, et de positionner dessus, ok ? Donc sur la personne touchée par le mauvais œil, on lui récite cela. Également, les du'as qui sont dans la sunna, comme A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, ou bien A'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Et sache, toi qui as été touché par le mauvais œil, que ce qui t'a touché, tu ne pouvais pas l'éviter. Et ce qui t'a échappé ou ce qui ne t'a pas touché ne pouvait pas t'atteindre. Que tout est fait par le destin d'Allah, tabarak wa ta'ala. Place donc ta confiance en lui. Si toutes les portes sur terre se ferment et que tu ne trouves plus d'issue chez les médecins, chez les psys, et que toutes les portes se ferment, sache que la porte d'Allah, tabarak wa ta'ala, le maître, est ouverte et qu'il est capable de tout. Et que c'est lui qui dissipe les soucis. Et que celui qui améliore les situations, azza wa jal. Ahibati fillah, retenez que deux points de cette khutba pour sortir avec quelque chose de pratique. Les invocations du matin et du soir et les invocations de manière globale. Et préservez-vous d'exposer les bienfaits qu'Allah vous a accordés à ceux qui peuvent porter le mauvais œil ou tout simplement à faire ça, comme le font certains, sur le net à tout le monde. Il n'y a pas de mal, bien évidemment, à dire à ton père ou à ta mère ou à ta famille, « Alhamdoulilah, je viens d'acheter une voiture, j'ai pu avoir un nouveau logement. » Ça, c'est un cercle restreint. Et attention, on fait quand même très attention à quoi ? À ne pas provoquer le mauvais œil. Faites attention dans votre manière de vous exprimer, dans votre manière de parler. Ok ? Là, nous, on est en train de blâmer qui ? Celui qui fait ça tout le temps à répétition, qui n'arrête pas. C'est son passe-temps. Il n'existe dans sa vie qu'en faisant ça. Ces gens-là, j'implore Allah, tabarak wa ta'ala, qu'il les guide. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur faciliter une grande remise en question. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur ouvrir les yeux, de leur accorder la clairvoyance pour qu'ils comprennent qu'en fait, c'est eux qui sont responsables de la plupart des problèmes de leur vie par le fait qu'ils s'exposent. Ils s'exposent trop. Nous, on est en train de parler de manière générale ici de ceux qui affichent les bienfaits qu'ils ont et qui se mettent en danger. Et qui mettent en danger les personnes, les membres de leur famille. Qui mettent en danger les membres de leur famille. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de guérir les malades de notre communauté. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous écarter du mauvais œil et de tous les maux qui peuvent nous toucher. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous faciliter, de bien l'adorer, de nous accorder la constance dans le dhikr, de nous accorder la constance dans l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, n'yanfa'ni bima qultu n'yanfa'akum bima sami'tum.